Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les recettes de Camélia. Aujourd'hui, je prépare avec vous une salade de riz qui est délicieuse, facile à préparer et très rafraîchissante. J'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Donc, pour préparer notre salade, il va nous falloir 200 g de riz que l'on a cuit dans de l'eau salée, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, un petit peu de fromage râpé. Un demi-poivron que j'ai coupé en petits dés, 2 cuillères à soupe de persil et coriandre hachés, un petit peu d'olive verte coupée en petits morceaux, une boîte de thon à l'huile, un petit peu de maïs, une gousse d'ail râpée et un demi-citron confit que j'ai coupé en petits morceaux en enlevant la pulpe, sel, poivre, du jus de citron et de l'huile d'olive. Donc sur le riz, je rajoute la boîte de thon à l'huile. Bien sûr, vous pouvez utiliser une boîte de thon à l'eau. Je rajoute le demi-poivron que j'ai coupé en petits morceaux, un petit peu d'olive verte coupée en petits morceaux, un petit peu de maïs, le demi-citron confit coupé en petits dés, la gousse d'ail râpée. Je mélange le tout. Puis, je rajoute 2 cuillères à soupe de coriandre et persil haché finement. Je rajoute un petit peu de fromage râpé, une petite cuillère de poivre et deux bonnes cuillères de mayonnaise. Je mélange le tout. Je rajoute un tout petit peu de jus de citron et un tout petit peu de sel. Je rajoute un filet d'huile d'olive. Et voici, ma salade est prête. Elle est très facile à préparer et délicieuse en même temps. J'espère que vous essayerez la recette et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements et cliquez sur la clochette pour avoir les nouveautés.